Donc le travail du marais, on a une grosse partie l'hiver. Nettoyer les vasières, nettoyer les gobiers, jeter la vase et remettre un fond le plus propre possible. Plus le marais est propre, plus le marais, plus les ponts sont faits avec attention, plus la vase est enlevée, plus le marais est propre, plus l'eau circule facilement l'été, et c'est ce qui aide à faire une production assez grande. L'eau, c'est ce qui est le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc apprendre à faire le sel, à ramasser le sel, à prendre le sel, à cueillir, ça s'apprend assez facilement. Et le plus dur, c'est vraiment le réglage de l'eau. Donc là, il faut quand même des années d'expérience, bien connaître le terrain, bien connaître les vents, en fonction de la direction du vent, en fonction de... Par exemple, des vents d'est, on met plus d'eau, des vents d'ouest, on met moins d'eau, en fonction de la chaleur, on met un peu plus d'eau, et c'est là vraiment qu'on voit la difficulté de la chose. Alors, circuit de l'eau, on commence de l'eau, on prend de l'eau à peu près à chaque marée, donc une fois par mois, tous les 15 jours. On remplit des zones de stockage qui s'appellent des vasières. Donc là, on remplit vraiment de l'eau à peu près pour un mois. Après, on a différents bassins, ça part du gobier, après ça va dans les phares, et après on a deux grandes pièces qui s'appellent des adernes. Et là, c'est vraiment notre réserve d'eau pour la journée. Bah après, c'est tout à fait un autre rythme, c'est des heures qu'on fait en fonction du soleil et du vent. Tant qu'il pleut pas, tant qu'on travaille tous les jours, pas de jour férié, pas de dimanche. Donc tous les jours, jusqu'à ce que la météo, dès qu'il pleut 1 cm ou 2 cm, on est arrêté, le temps que l'eau douce s'évapore. Et dès que l'eau douce est évaporée, on peut repartir à produire tant qu'il fait beau. Et ça dure à peu près de juin à septembre. Donc un peu plus ou un peu moins en fonction des années. Donc il est arrivé en fonction des saisons, si vraiment le temps est médiocre et qu'il pleut tous les jours, de ne pas produire très très peu. Et des belles années comme 2003 où on a eu une canicule, donc là produire tous les jours et faire des grosses quantités de sel. C'est ce qu'ils font pas faire. Alors je m'appelle Sylvain, donc ça fait à peu près 15 ans que je suis paludier. Donc je suis arrivé dans ce métier-là un peu par hasard, mon père faisait ça, mon grand-père aussi. Donc ce qui me plaît dans ce métier, c'est de travailler dans un milieu naturel, donc sans contrainte, d'être autonome et